Beaucoup d'entre vous profitent des vacances, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Nadia, jeune femme marocaine, devait venir à Nice voir sa sœur et son neveu pour les fêtes de fin d'année. Mais sa demande de visa tourisme a été refusée pour la troisième fois par le consulat. Une décision que sa famille a du mal à comprendre. Pierre-Olivier Casabianca, Nathalie Moura. Radija va passer les fêtes de fin d'année loin de sa famille. Sa sœur Nadia devait venir la voir à Nice, mais son visa lui a été refusé une troisième fois par le consulat de France à Casablanca. Pourtant, cette franco-marocaine a déjà pu accueillir ses parents et son frère. Pourquoi je ne peux pas recevoir ma sœur? Je ne peux pas recevoir juste pour les vacances. En plus, pour les périodes de fête, j'ai l'impression que je n'ai pas été gâtée. voilà, je suis déçue. Motif du refus, Nadia n'aurait pas assez d'argent sur son compte bancaire. Pour Adija, c'est tout simplement incompréhensible. Ma sœur, elle habite chez mes parents. Donc, on a une très grande maison. Elle ne paie pas le loyer, l'électricité, elle ne paie rien du tout. Donc, son salaire, c'est pour elle. Et elle travaille depuis 12 ans dans le même cabinet. Elle a une très bonne situation. Elle a sa voiture. Elle se permet des voyages. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Patrick Allemand a soutenu cette demande de visa. D'après lui, les raisons invoquées ne sont pas fondées. Je ne l'explique que par un acharnement administratif. C'est la première fois que je vois ce cas-là, dès l'instant où c'est pour un séjour aussi court et dès l'instant où la personne a les moyens d'acheter son billet. Nadia ne refera pas de demande de visa. Excédée par cette situation, elle ne souhaite plus venir passer ses vacances en France.